référente de L214 sur Angers. Peux-tu nous parler de l'action de ce jour, s'il te plaît ? Bonsoir Mario. Alors ce soir, on est réunis avec plusieurs militants angevins d'L214 pour montrer que Halloween, c'est une fête ce soir pour beaucoup de gens, mais Halloween, c'est aussi tous les jours dans les abattoirs français pour les animaux, et c'est un véritable film d'horreur. Donc on est là pour condamner, pour montrer ce qui se passe véritablement dans les abattoirs et montrer que le film d'horreur, c'est vraiment, vraiment tous les jours pour les animaux, dans des conditions sanglantes, avec beaucoup de violence et une brutalité extrême. Donc on va montrer ce soir des vidéos d'abattoirs. Donc toutes les vidéos qui ont été captées par L214, on va les montrer effectivement aux angevins, et on montre également des panneaux avec les photos les plus marquantes de ces vidéos qui ont été prises dans les abattoirs d'Alès, du Vigan, d'Oudan, voilà, depuis à peu près 2015-2016 par L214. D'accord, dis-moi Claire, j'ai envie de réagir. J'ai vu sur internet tout à l'heure que dans le Finistère, le préfet avait interdit cette manifestation. Qu'en penses-tu, Sean ? Alors, j'en pense que nos actions sont très généralement et toujours non violentes. On est pacifiste. On a seulement le souhait de montrer la réalité des abattoirs. Après, que les pouvoirs publics aient un petit peu peur de ce qu'on peut effectivement montrer comme réalité, ça, c'est un petit peu le cas en ce moment. Donc, on lutte activement. On a la chance d'avoir une préfecture qui est encore bienveillante quant à nos actions, donc qui nous a autorisés. Après, que le préfet du Finistère ait interdit, ça peut signifier plein de choses. On n'a pas exactement le pourquoi du comment, mais ça peut signifier que peut-être une contre-manifestation d'éleveurs était annoncée, qu'ils avaient peur de violence, parce qu'effectivement, il commence à y avoir un clivage dans la société sur le sujet, et que ça fasse peur au pouvoir public, c'est une chose. Après, nous, on garantit toujours la non-violence et le pacifisme de nos actions. Après, si en face, il y a des éleveurs un peu mécontents ou des associations mécontentes de ce qu'on fait, on peut discuter. Nous, on est dans la discussion et dans l'échange. D'accord, merci. Merci.